Allez, c'est reparti pour la suite. À cette époque, il était difficile pour une femme d'être sculpteur. Camille a eu une vie difficile, mais a laissé des sculptures magnifiques. Camille était une grande artiste. Cette équipe a obtenu les meilleurs scores de son histoire, mais elle est toujours la dernière de la compétition. Elle est très déçue. Cette équipe est la pire Le équipe. professeur ne veut plus que le père de Ben accompagne la classe pendant les sorties scolaires. Il Le perd père toujours à de nous deux Ben ne enfants. viendra plus aux sorties. L'opération s'est bien passée. Maintenant, il faut que vous soyez patient. Bientôt, vous pourrez marcher et courir comme avant. Qui parle? Un médecin. The students are solving a very complicated problem. Les élèves résolvent un problème très compliqué. Ils résolvent. Je suis inquiet qu'il n'y ait personne au terrain de foot. Il n'y a pas un match aujourd'hui. Ce joueur aurait un score négatif si c'était possible. That's player would have a negative score if it were possible. Before I used to weigh more than 100 kilograms. Avant, je pesais plus de 100 kilos. Maintenant, rien ne peut retarder mon départ. No, nothing can delay my departure. Il faut que Amélie commande du nouveau matériel scolaire parce que tout a brûlé le mois dernier dans un incendie. La vue de la terrasse est absolument magnifique. The view from the terrace is absolutely wonderful. The doctor is going to check how much the baby weighs. Le médecin va vérifier combien pèse le bébé. Les animaux sont des habitants de la forêt. Deux. Et ils n'ont pas l'habitude de recevoir de Et la visite, alors ils quand se cachent quand nous arrivons. Je ne sais pas où est l'auberge de jeunesse. I don't know where he is. I don't know where he is. Wow, c'est quoi déjà ça? C'est Young. Je sais plus. Ouf. I don't know where the youth hostel is. We have some. Avez-vous des courgettes? Courgettes, ça? Je ne sais même pas le prononcer. Sukimi, Suzimi. Zucchini. Zucchini. We have some zucchini. The students are solving a very complicated problem. Les élèves résolvent un problème très compliqué. Je ne sais pas où est l'auberge de jeunesse. I don't know where is the youth. Non, c'est pas ça. I don't know where the youth hostel is. I don't know where the youth hostel is. Allez, next.
Une langue vivante est une langue qui est toujours parlée à notre époque. 100 mots dans un mois. Ben dis donc. Une langue vivante est une langue qui est toujours parlée à notre époque. What does une langue vivante mean? A modern language. Leave the pollution and go breath. In her. Leave the pollution. Quitte la pollution et va respirer le air pur. Nous serions allés au restaurant si nous avions su. Aurions. Nous aurions évité cette catastrophe. Quand l'équipe préférée d'Eddie a marqué un but, tout son immeuble l'a su. Même Eddie son. Était très content. Les poissons meurent à cause de la pollution. Meurs. Fish are dying because of the pollution. Après le footing, j'ai souvent mal à la cheville ou au talon, mais aujourd'hui, j'ai mal aussi aux genoux et aux mains parce que. Je suis tombé. La collection de ce créateur me plaît beaucoup. C'est frais, léger. Il y a des poids, des rayures, de la couleur. Moi, je ne supporte pas les vêtements tout gris. I have been really exhausted for a few weeks. I have been really exhausted. Je suis vraiment épuisé. Depuis semaine. Je suis jaloux que vous promettiez ce rôle à Victor. Franchement, il est trop jeune et il a beaucoup moins de talent que moi. Il parle. Un acteur désagréable. Je préfère l'arrière-plan à la scène principale. I prefer the background to the main scene. Ce film est bien accueilli par la presse. J'ai très envie de le voir au cinéma. Par contre, il n'est pas recommandé pour les jeunes enfants. C'est probablement un film de guerre sérieux. La mode ne m'intéresse pas trop, mais j'aime bien la collection de cette créatrice. Par contre, qui peut acheter des robes à ce prix? Ces vêtements sont trop chers. The hairstyle of the 18th century were crazy. Oh mon dieu. Hairstyle. The hairstyle. Hairstyles. Alors c'est les coupes. Oh là là. En tirant sur ce tissu fragile, tu le déchireras. J'ai fait traduire sur Google la prononciation et j'ai pas regardé la traduction. Trop fort. Je suis un génie. C'est à combien ça? En tirant sur ce tissu fragile. By putting on this fragile fabric, you will tear it. Je préfère la coiffure que tu avais hier. Que? The
celle dont tu parles maintenant est trop compliquée. Je préfère l'arrière-plan à la scène principale. I prefer the background to the main scene. Non, c'est les coiffures, j'ai dit. Les coiffures du 18e siècle étaient folles. The hairstyles. Est-ce que vous avez pris votre température? Did you take your temperature? Luc et Léa, il faut que vous puissiez préparer vos examens dans le calme, mais il y a beaucoup de bruit dans votre immeuble. L'immeuble n'est pas idéal pour eux. You must be friendly with the nurse. Il faut que tu sois plus aimable. Infirmier. Il faut que tu sois plus aimable. Ce n'est pas que c'est mauvais. Mais moi, j'aurais mis moins de sel et j'aurais moins fait cuire la viande. Chacun ses goûts. Cette personne exprime une critique. This designer is introducing her annual collection. Cette créatrice présente sa collection annuelle. Tom a du talent, mais il pense qu'il est nul. Paul, dis-lui ce que tu penses de son portrait, ça le touchera beaucoup. Tom a du talent, mais il pense qu'il est nul. Paul, dis-lui ce que tu penses de son portrait, ça le touchera beaucoup. Le portrait est excellent. We must recycle everything, especially clothes. Il faut tout recycler, particulièrement les vêtements. Le film est présenté par tous les acteurs. The movie is presented by all the actors. The one that I remember was more colorful. Celui dont je me souviens était plus coloré. Je ne respire pas bien à cause de la pollution. Respirer, je sais plus ce que c'est. C'est avec un B. Je sais plus. Well, because of the pollution. Ah, c'est I cannot breathe well because of the pollution. Breathe. I cannot breathe well because of the pollution. This recipe with eggplants comes from Greece. Cette recette avec des œufs et de graisse. Oui, eggplants. Pas des œufs, ça. Aubergine. Allez, c'est faux. Je ne savais pas. My French friends are fighting against pollution. Mes amis français se battent contre pollution. Mes amis français se battent contre la pollution. Je ne respire pas bien à cause de la pollution. Cannot breathe well because of the pollution. Cette recette avec des aubergines vient de Grèce. Eggplants. Allez, next. Pour la fin.
J'ai pris un livre pour m'occuper pendant le vol. I took a book. Alors, je pense que les noms sont bons, mais je ne les ai pas mis dans le bon ordre. I took a book. I took a book to keep myself busy during the flight. C'est ça. Avant qu'il peigne ce tableau, éléphant, Bill n'était pas connu. Et aujourd'hui, tout le monde veut acheter ses peintures. Il est un artiste. Les vagues près du rivage peuvent être dangereuses. The waves near the shore can be dangerous. Un ballon burst. Son ballon éclaté. Si Paul était encore au Bénin, nous irions le voir pour les vacances, mais il a déménagé. Paul n'habite plus en Afrique. If I were you, I would not swim in this canal. Si je et toi, je ne nagerais pas ce. Si j'étais toi, je ne nagerais pas. Ce dans ce canal. Ce livre parle de l'histoire de la religion juive. This book is about the history of the Jewish religion. This French expression is very funny. Cette expression française est très drôle. Justin se sent faible parce que ça. Valise. Être très lourde. Dis-toi un peu, Patrick, si tu étais plus calme, on apercevrait des animaux sauvages. Je ne viendrais plus observer les animaux avec toi. Les animaux ont eu peur. Marc, tu fumes trop. Si tu continues de fumer autant, tu auras une grave maladie. Et puis, ce n'est pas un bon exemple pour ta fille. Marc devrait arrêter de fumer. Jean-Paul s'est brûlé en fumant. C'est stupide. Jean-Paul got burned from smoking, that it's stupid. Elle est devenue championne en les battant. She became champion by batting him. Siffler, c'est faire un bruit en faisant sortir de l'air par sa bouche. The date of this Christian holiday changed. Every year, la date de cette fête change tous les ans. J'ai pris un livre pour m'occuper pendant le vol. I took a book to keep myself busy during the flight. A balloon burst. Son ballon éclaté. Son ballon a éclaté. Allez, next. Olé. Je voudrais un bouquet de 12 roses rouges. I would like a bouquet of 12 red roses. Si je croise Antoine, croise. Si je croise Antoine, je lui passerai le bonjour. If I run into Antoine, I would give him my regards. Je me suis précipité dehors quand il a hurlé. I rushed outside when I screamed. Tu veux lire un magazine, mais je veux que tu lises un livre. Quand Marc était petit, il voulait ouvrir une parfumerie, mais tous ses parfums sentaient mauvais et personne ne les aimait. Les parfums de Marc étaient désagréables. Il traduit un texte qu'il doit rendre tout à l'heure. He is translating a text. He has to turn in
Clayton. C'est ça. Justin, tu as de la chance de t'être seulement cassé le coude avant de descendre la piste noire. Apprends à faire du ski correctement. Justin est un peu fou. Quelle que soit la météo, ces sportifs s'entraînent tous les jours pour la compétition de ce week-end. Ils ont de grandes chances de gagner. Les sportifs s'entraînent même s'il pleut. I think Thomas is allergic to hex. Je crois que Thomas est allergique aux œufs. La tortue sait bien que la vitesse ne suffit pas. The turtle really knows that speed is not enough. Il s'est cogné le genou contre le mur. Comment tu cognes? Ah, it is me. Against the wall. Ah, j'allais dire au front. Ton professeur veut que tu lises la troisième partie de la biographie. Ensuite, tu réponds aux quatre premières questions dans le livre. La personne qui parle passe un examen. Tous les retards sont affichés sur ce panneau. All the delay. Il sait bien cuisiner. Cependant, il ne prépare jamais de repas chez lui parce qu'il est paresseux et qu'il préfère commander à manger. Cette personne ne fait pas de À l'école, pour garder le calme, on ne peut pas tout parler en même temps. Si on ne lève pas la main, le professeur peut... Nous punir. Eh, formidable. Mon professeur veut que tu lises la troisième partie de la biographie. Ensuite, réponds aux quatre premières questions dans le livre. La personne qui parle... d'un élève. Allez, next. Il ne faut pas être inquiète. Votre bébé va bien, madame. Il grandit aussi bien. Il a eu la grippe. Et maintenant, tout va bien. Évitez les flaques. Avoid the petals. Je mange seulement des fruits et des légumes, et pourtant je grossis, c'est nul. I only eat fruits and vegetables, and I still can't wait. That's things. Bah, il faut courir, hein. On est parti observer les baleines, mais on ne s'attendait pas à en voir autant. Tu t'en rends compte, on a même assisté à une naissance. C'était une expérience incroyable. Victor s'est blessé au coude. Victor injured his elbow while playing tennis. C'est impressionnant avec ce nouveau type de chargeur. Je peux remplir la batterie de mon téléphone en 3 minutes seulement. Le chargeur est très efficace. Appelle-moi quand tu sors de chez le barbier. Call me when you leave the barbershop. Mon fils de 6 ans commence l'école primaire. Il a choisi un sac à dos de super-héros et l'a montré à tous ses amis. Clairement, il est heureux d'y aller. I want you to be quiet when I'm speaking. Je veux que vous quand je parle. Si tu veux venir avec moi, tu dois me promettre deux choses. Tu ne bougeras pas et tu ne parleras Observez pas. Observez les oiseaux. Il y a une promotion sur le fromage, alors le rayon est bondé. En plus, je voulais du camembert, mais je crois qu'il n'y en a déjà plus. Quel est le problème? Il y a trop de monde. Il joue en se battant. C'est de la boxe. Boxe. They are playing while fighting. Is that sporting? Je veux que tu me vendes cette vieille voiture. Vendre. Mais
tu veux la vendre à tes voisins. You will be able to move when we get off the plane. Tu pourras. Tu pourras bouger. You will be able to move. Quand nous sortirons de l'avion. Heureusement, tu nous as rendu notre chargeur. Nous serions partis sans et nous aurions passé une semaine sans nos portables. I want you to be quiet when I'm speaking. Je veux que vous taisiez quand je parle. Allez. Next. Tondre. Londres. London. Saut. Saut. 20. Pêche. Fishing. Docteur, nous avons besoin de vous. C'est une urgence. Cet enfant est allergique. Le docteur va venir tout de suite. Si elle avait su, Léa ne serait pas venue dans ce magasin de bricolage parce que tous les parquets y sont de très mauvaise qualité. Léa est déçue du magasin. Tu vois ce veau marron qui court là-bas? C'est le petit de cette vache et de ce taureau. Ils sont dans une ferme. Du haut, est-ce que je... t'adopter. Duo, can I adopt you? Victor et son chien aiment prendre l'air sur les falaises au bord de la mer. On ne veut pas qu'un enfant entende ces mots. Entendre. Il ne doit jamais les entendre. À l'université, j'ai étudié la religion chrétienne et musulmane avec un professeur passionnant. Un jour, je voudrais étudier le bouddhisme. Cette personne s'intéresse aux religions. Mes enfants adorent les chats, alors mon beau-père leur en a adopté deux. If you were funny, you would maybe have an audience. Si tu étais drôle, tu aurais peut-être un public. Elle achètera des tomates au marché. Elle en achètera au marché cet après-midi. C'est courant dans la région de manger des coquillages comme des huîtres le matin. Pour moi, c'est bizarre parce que je n'en mange jamais. Cette personne est surprise. J'espère que c'est juste un mensonge. I hope it is. I hope it is only. It only tells lies. It's crazy. Il raconte seulement mensonges. Est fou. Il raconte seulement des mensonges. C'est fou. But why would we adopt a girl? Mais pourquoi adopterions-nous un taureau? Oh, c'est imperfect. Je n'avais pas vu. J'ai raté le perfect. Allez, next. Il s'amuse à éclater les ballons. They are having fun bursting the balloons. On Sunday, Harris got burned from drinking a coffee. Dimanche, Alice se est brûlée en café. Tous les retards sont affichés sur ce panneau. All the delays are displayed on this sign.
We like chocolate, but we eat little of it. Nous aimons le chocolat, mais nous en mangeons peu. I will have wine unless he is left. Je prendrai du vin à moins qu'il reste une bière. She prepared, but she did not fall. C'est glissé, ça? Non, c'est trébuché. Mais elle n'est pas tombée. Elle a trébuché, mais elle n'est pas tombée. Elle travaille dans une association de citoyens. She works in a citizens organization. She works in a citizens organization. Hey, j'y étais presque. The weather is freezing. He will catch a frozen fish. L'eau est gelée. Il pêchera un poisson congelé. Comment faites-vous pour envoyer un message? Or do you to send a message? Or do you send a message? Or do you send? This French expression is very funny. Cette expression française est très drôle. Nous mangeons peu quand nous sommes malades. We don't eat much when we are sick. Pourquoi j'écris sick? Prepared, but she did not fall. Elle a trébuché, mais elle n'est pas tombée. Elle travaille dans une association de citoyens. She works in a citizens organization. Boom, ça marche. Comment faites-vous pour envoyer un message? Or do you send a message? Nous mangeons peu quand nous sommes malades. We don't eat much when we are sick. We don't eat much when we are sick. Allez, on envoie la suite. C'est un trophée qu'ils ont chaque fois. I paint what I have seen on my trip. Je peins ce que j'ai vu pendant mes voyages. Je peins ce que j'ai vu pendant mes voyages. This tour, the residents hated it first. Cette tour, les habitants l'ont d'abord détesté. You will not have some remorse for sure. Tu ne aurais pas. Moi, je voulais écrire des rumeurs à partager, mais il n'y a pas des. Tu n'aurais pas.
Partager. Si le verre est à moitié plein, cela signifie qu'une moitié du verre est pleine. It is a cucumber salad with olives. C'est une salade de concombre avec des olives. Ce est une salade de concombre aux olives. La tour. The tour. Oui, on va mettre ça, c'est au début normalement ça. The delivered this. We delivered this rose to the wrong address. On a livré des fleurs à la mauvaise adresse. J'ai fait des macarons pour le dessert. I made some macarons for dessert. Couper la parole à quelqu'un, c'est interrompre cette personne quand elle est en train de parler. To cut someone off. Hier, un mouton est monté à notre voiture. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est un cheval qui va y monter. C'est peu probable que Julien vienne. Cela signifie qu'il ne viendra sûrement pas. Tu as bien tous les documents pour ton inscription à l'université? Oui, ma carte d'identité, le formulaire et le chèque. Ton next était vraiment énervante. Était. Et ton nouveau ami est encore pire. Ce chapeau est original et je vais acheter. This hat is original and I am going to buy it. She never paid for a single drink at this bar. Elle n'a jamais payé une seule boisson dans ce bar. Olé, perfect. Perfect. Ça fera la... C'est à combien? Ça fera la couverture. The author of this book is really brilliant. Auteur de ce livre brillant. L'auteur de ce livre est vraiment brillant. I will choose a less complicated exercise. Je choisirai un exercice moins compliqué. Miam, ces légumes farcis sont délicieux. J'aimerais l'écouter, mais si je mange toutes les sucreries dont j'ai envie, je reprendrai tous ces kilos dont je me suis débarrassé. Cet homme a beaucoup maigri. He is an expert in the art of finding excuses. Il est expert dans l'art de trouver des excuses. Demain, tu choisiras tes manuels scolaires. Tomorrow you will choose your school. Tu donneras des ordres quand tu seras officier dans l'armée. Mais à la maison, c'est moi la chef. Mère de famille. I'm going to wrap the cookies with this paper. Je vais. I'm going to wrap. Emballer. Ce biscuit avec. Non, c'est je vais emballer les biscuits avec ce papier. Elle attend ses résultats, donc elle est stressée. She is waiting for her results, therefore she is stressed. Travailler est une énorme perte de temps. Je vais démissionner pour partir vivre seul dans la forêt. C'est mon nouvel objectif. Cette personne va arrêter de travailler. Il saura se débrouiller seul. Will he know how to manage alone? Help me with this place, it's heavy. Aidez-moi. Aide-moi avec
Avec ce quoi ? Ce plateau, il est lourd. Ils ne doivent pas s'inquiéter. La chef de cette entreprise a inventé une méthode efficace pour sauver cette usine et ses employés. La chef d'entreprise veut protéger l'usine. I could not take it anymore, so I quit. I could not take it. Et je n'en peux plus. Alors, j'arrête ou je le quitte ? Je ne sais pas. Je n'en pouvais plus, alors j'ai démissionné. It is possible that we will have to go on strike. Il est possible que... Il est possible que nous devions faire grève. C'est ça. I could not take it anymore, so I quit. Je n'en pouvais plus. Alors j'ai démissionné. Ah bah, j'aurais pas cru faire autant d'XP. Il reste encore 18 minutes. Le frigo pue à cause de vos fromages. Ils seront mieux à la poubelle. Mettez-les tout de suite. Je doute qu'ils... I doubt they will believe those stupid advertisements. Je doute qu'ils croient à ces publicités stupides. Marie prépare toujours sa soupe de poisson dans une très grande marmite parce que ses amis et sa famille en veulent aussi. Marie prépare beaucoup de soupe. What is the number of members in the government? Quel est le nombre de membres dans le gouvernement? J'ai besoin que tu fasses ça avant demain. Si tu ne peux pas le faire, je le fais. Le pare-choc est sale. The bumper is dirty. Bravo Paul, tu as cueilli des cerises dans la forêt. Maintenant, déguste-les avant que Vera arrive et te les prenne pour sa tarte. Paul devrait manger vite ses fruits. I'm going to renovate this old house myself. Je vais rénover cette vieille maison même. Luc rénove lui-même sa maison depuis un an. Il a d'en être fier, mais il est aussi fatigué. Il a envie de partir en vacances et de se reposer. Luc a besoin de repos. Le boucher pourra te donner des renseignements. The butcher will be able to give you some information. I don't think they plan to end it. Je ne pense pas qu'ils prévoient de nous inviter. J'espère que je ne te gênerai pas demain soir. I hope I won't bother you tomorrow night. Cette cliente n'arrête pas de me demander le même renseignement depuis une heure. Elle est un peu bizarre, mais je suis patient. Qu'est-ce que c'est cette histoire-là ? Alors, qui parle, un vendeur ? It's some kind of cause, mille chills. Ce est une sorte de fromage. De lait
Non, c'est une sorte de fromage au lait de vache. Qu'est-ce que j'ai écrit? C'est une sorte de fromage aux vaches de lait. Ouais, pourquoi pas. I want our customers to see all our products. Je veux que tous nos clients voient tous nos produits. Il n'y a pas écrit all customers. Je veux que nos clients voient tous nos produits. It's some kind of cows, midges. Ce est une sorte de fromage aux vaches. C'est une sorte de fromage au lait de vache. I want our customer to see our product. Je veux que nos clients voient tous nos produits. Allez. Next. In 50 minutes of social network, I can discover a lot of things. Add more water. So that it does not explode. Ajoute plus d'eau pour que ça n'explose pas. Ajoute plus de eau pour que ça ne explose pas. J'ai une aiguille, mais je n'ai pas de fil. I have a needle, but I don't have thread. S'il te plaît, Paul, ne nous prépare plus ta recette d'agneau à la menthe parce qu'Alice ne te le dit pas, mais elle la déteste. Alice n'aime pas le pain de Paul. It's a problem that exists everywhere now. C'est un problème qui... C'est un problème qui existe partout maintenant. Ils ne doivent pas s'inquiéter. La chef de cette entreprise a inventé une méthode efficace pour sauver cette usine et ses employés. La chef d'entreprise veut protéger les dindes pondent des œufs beaucoup plus gros. Non, c'est laid, Paulette. Turkey is laid much bigger eggs. If you buy one item, another. One history. Si tu achètes un article, un autre est offert. J'achète un article, un autre est offert. My shy sister married an outgoing boy. Ma sœur timide a épousé un garçon extraverti. Il ne faut pas que les chefs de Vera s'aperçoivent qu'elle est partie plutôt du travail pour aller voir un match de foot avec ses amis. Vera n'a pas suivi ses horaires. I hope this law will exist in my country. J'espère que cette loi existe dans mon pays. Existera. J'espère que cette loi existera dans mon pays. Donne-moi ta recette d'avocat aux crevettes. If me your shrimp avocado. Give me your receipt for avocado with shrimp. Donne-moi ta recette d'avocat. Give me your receipt for avocado. Avocado, c'est l'avocat. Lawyer? No, it's a joke. Je ne pense pas que notre chef s'aperçoive qu'il est désordonné. Pourtant, il a tellement de dossiers sur son bureau qu'on ne le voit plus. Notre chef range pas son bureau. Bof,
Je trouve que ce ver de terre n'a pas très bon goût. Il serait peut-être meilleur avec un peu de sauce tomate et du sel. Cette personne mange un insecte. Léa et Sam auraient dû payer leur impôt la semaine dernière, mais ils ont oublié de le faire et ils ont peur d'avoir des problèmes. Léa et Sam doivent payer le gouvernement. J'ai une aiguille, mais je n'ai pas de fil. I have a needle, but I don't have thread. Les dindes pondent des œufs beaucoup plus gros. Your case lay much. Your hex. Donne-moi ta recette d'avocat aux crevettes. Give me your receipt for avocado with shrimp. Five minutes. That's it's funny. Pauline est une ancienne collègue de Julie. Mienne, ancienne. Pauline is a former colleague of Julie. Maintenant, les enfants grandissent vite. Grandiront. Heureusement, ils ne grandiront pas aussi vite que leur vie. Elle a cassé notre entreprise, notre réunion. Elle l'a sauvée. She saved our company. She is our hero now. Parmi toutes les applications, Duolingo est la meilleure. Parle plusieurs langues. Ouais, la meilleure, ça reste à prouver ça. Ce serveur ne travaille pas bien. Il a encore mis les couverts dans le mauvais sens et il a aussi oublié de faire la moitié des commandes. Le serveur n'est pas bon. Tu étais soldat pendant la guerre, papy? Est-ce que c'est grandpa, ouais. You are a soldier during the war, grandpa. Soldier had to respect Peter. Les soldats. Les soldats devaient respecter les officiers. Les soldats devaient respecter les officiers. Ils choisiront une nouvelle calculatrice demain. They will choose a new calculator tomorrow. We would do better than all our competitors. J'hésite entre ferons et ferions. Eh bien, c'est ferions. Nous ferions mieux. Il avait tout installé pour me faire une surprise. He had set up everything to make a surprise for me. Les pâtes sont trop crues, alors elles sont trop molles. Ah bon. Vous irez dans le groupe de niveau intermédiaire. You will go in the intermediate level group. Léa avait presque terminé son puzzle de 1000 pièces quand son chat a sauté sur la table et a tout fait tomber par terre. Que s'est-il passé? Le chat a détruit le puzzle. Ça, c'est drôle. There have been changes in our society. Il y a eu des changements dans notre société. Mon ancien chef était désagréable, mais maintenant, j'en ai un encore pire. Il ne fait rien et il est méchant avec les employés. Je suis déçu par le nouveau chef. Tu étais soldat pendant la guerre, papy? You were soldier during the war. Grandpa. Ses pâtes sont trop cuites. Alors elles sont trop molles. This pasta is overcooked, so it is too soft.
Ah non, c'est l'heure d'aller corriger. Ah, mais j'ai vu un petit truc là. Est-ce que je peux avoir mon bonus ? Mais non. Un yellow. Il y est, mais il y est pas. Ah, c'est parce que j'ai l'air américain. Ah ouais, ça doit être ça en fait. Je sais pas. Bon allez. Maybe the last. Les pâtes sont trop cuites. Alors elles sont trop molles. This pasta is overcooked, so it is too soft. Comment faites-vous pour envoyer un message? How do you send a message? Tu étais soldat pendant la guerre, papy? You are a soldier during the war, grandpa. J'ai une aiguille, mais je n'ai pas de fil. I have a needle, but I don't have that. It's some kind of coarse materials. Ce est une sorte de fromage. Vache. C'est une sorte de fromage au lait de vache. Nous mangeons peu quand nous sommes malades. We don't eat much when we are sick. Les dindes pondent des œufs beaucoup plus gros. Turkey lay bigger eggs, much bigger eggs. I want our customer to see our products. Je veux que nos clients voient tous nos produits. Donne-moi ta recette d'avocat aux crevettes. Give me your receipt for avocado with shrimp. I could not take it anymore, so I quit. Je n'en pouvais plus. Alors, j'ai démissionné. C'est ça, j'ai démissionné. Les dindes pondent des œufs beaucoup plus gros. Turkey lay much bigger eggs. Ah non, c'est ça la dernière. Allez, the last of the day. She tripped, but she did not fall. Elle a trébuché, mais elle n'est pas tombée. Un ballon burst. Son ballon éclaté. J'ai pris un livre pour m'occuper pendant le vol. I took a book. Myself during the flight. Ton professeur veut que tu lises la troisième partie de la biographie
Ensuite, répond aux quatre premières questions dans le livre. La personne qui parle... Attendez. Je préfère l'arrière-plan à la scène principale. I prefer the background to the main scene. I want you to be quiet when I'm speaking. Je veux que vous vous taisiez quand je parle. This recipe with eggplants comes from Greece. Cette recette avec des aubergines vient de Grèce. Je ne respire pas bien à cause de la pollution. I cannot breathe well because of the pollution. Elle travaille dans une association de citoyens. She works in a citizens organization. Les coiffures. Coiffure du 18e siècle des foules. She tripped, but she did not fall. Elle a trébuché. Mais elle n'est pas. Elle n'est pas tombée. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. Ok. Alors, je suis combien ? Troisième. Ça me convient. Donc, je suis pas 26e, ça va. Ok, it's over for today. Thanks for watching. See you tomorrow. Bye.